bonjour à tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment accordée. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin. Nous avons eu quelques problèmes techniques. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce moment d'intimité avec le Seigneur et avec vous aussi, dans sa présence. Bien-aimé, le mois de décembre est arrivé. Et c'est un miracle. Pour ceux qui vivent au Cameroun, c'est un miracle. Ailleurs, je ne sais pas comment les choses se sont présentées, il y a de cela 2 ou 3 années. Mais la nation camerounaise et surtout l'église au Cameroun, pendant ces 3 années, 2019, 2020 et 2021, a été sérieusement touchée, sérieusement secouée. Ça a été 3 années compliquées, 3 années difficiles, 3 années où nous avons perdu des personnes qui nous étaient très chères. 3 années, on n'a jamais vu autant d'hommes de Dieu, de serviteurs, de servants de l'Éternel, retourner vers les demeures éternelles. 3 années où beaucoup d'assemblées sont restées orphelines. 3 années où beaucoup de brebis sont restées sans berger. Nous pleurons nos héros, ils sont partis. Nous pleurons ceux qui, en cette année, ont commencé avec nous et n'ont pas achevé avec nous. Dans tous les cas, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Je voudrais partager une confidence avec vous. Je veux partager une confidence avec vous. C'est une expérience que j'ai eue tout à l'heure, lorsque j'étais en train de dormir. Alors j'étais en train de poser des questions au Seigneur Jésus. Je posais des questions. Et des questions personnelles, des questions pertinentes. Et je faisais le genre de prière que lorsque vous la faites seul, de peur de scandaliser la foi de quelqu'un qui vous entendrait prier, ce genre de prière, ou qui vous entendrait, ou qui serait témoin d'une telle conversation entre vous et votre Créateur. Et le sommeil m'a emporté. Et lorsque le sommeil m'a emporté, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'étais dans une église. J'étais en train de prêcher dans une assemblée. Et subitement, je me suis retrouvé sur une chaise roulante. Et pendant que j'étais assis sur cette chaise roulante, j'étais paralysé. Complètement paralysé. En sorte que marcher était impossible pour moi. Et donc j'avais les chaises roulantes électriques, ça veut dire qu'on appuie un bouton, ça avance, ça revient, ça tourne à gauche ou à droite. Et puis dans la vision, j'ai posé cette question. Est-ce que parce que je suis paralysé, je ne dois plus servir Dieu? Et il y avait un papa à côté de moi qui était déjà vieux et qui m'a dit, mon fils, moi je suis paralysé depuis ma naissance. Je n'ai jamais connu ce que c'est que marcher. Et puis dans l'assemblée, j'ai dit, ok, malgré cette paralysie, nous allons servir le Seigneur. Et j'ai demandé que tous ceux qui ont un handicap se démarquent partout où ma voix est entendue pour adorer Dieu. Et alors, bien-aimé, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans cette vision. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas les pieds, mais qui marchaient avec les mains. Donc, ils marchaient avec les mains et leurs pieds étaient pendants, en haut. J'ai vu les gens tirer sur leurs fesses. Et tous les handicapés qui me suivaient dans le monde entier ont commencé à célébrer Dieu. Et tous, nous célébrions le Seigneur. Nous adorions le Seigneur. Nous étions en train de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les handicapés, tout le monde avait oublié qu'il avait un handicap. Personne ne s'est appuyé sur son handicap pour être irrité contre l'Éternel ou bien pour porter des jugements contre son Créateur. Et nous tous, nous servions le Seigneur malgré nos handicaps. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est ainsi qu'il faut me servir. Et je me suis réveillé. Et j'ai médité sur cela. C'est le genre de vision personnelle. Ça veut dire que je ne partage pas d'habitude avec les gens. Mais j'ai tenu à le faire. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup sont handicapés. Beaucoup ont été handicapés pendant cette année-ci. Ou bien pendant l'année passée.
Ce handicap n'est pas un handicap physique, c'est un handicap qui peut être sentimental, spirituel. Dans tous les cas, un événement que vous avez vécu et qui vous a paralysé. Et puis, malgré tout, nous devons servir le Seigneur. Et je sais que le Seigneur consolera les cœurs de plusieurs qui ont été blessés, les cœurs de plusieurs qui sont meurtris, les cœurs de plusieurs qui gardent des souvenirs lourds et douloureux. Malgré tout, nous devons servir le Seigneur. Et nos handicaps, ces handicaps, ne nous empêcheront pas de servir le Seigneur, de reconnaître sa souveraineté et de prêcher sa parole dans le monde entier. Alors je voudrais m'adresser à tous les handicapés, ceux qui ont été handicapés par le deuil, ceux qui ont été handicapés parce qu'ils ont perdu quelque chose qui leur était cher, ceux qui ont été affectés d'une façon ou d'une autre dans leur relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Malgré ces pertes, avançons. Malgré ces pertes, reconnaissons la divinité de Christ. Malgré ces pertes, combattons les combats de l'Éternel. Comme le dit l'adage hébraïque, Naftule Elohim Niftalti, j'ai combattu les combats d'Elohim. Que Dieu vous bénisse. Je vous présente déjà par anticipation mes meilleurs vœux de bonne année 2022. Le thème de ce mois de décembre, que Dieu bénisse ton année 2022. Que Dieu bénisse ton année 2022. Et nous avons le pèlerinage sur le mont Kol Afamba. C'est sur cette montagne que tout a commencé pour ma vie. Lorsque tout était noir dans mon ministère, lorsqu'au début j'étais à la croisée des chemins et que je ne savais où mettre la tête. Alors à cette époque-là, nous nous sommes arrangés, je pense qu'en 2012, on s'est arrangé, il y avait le prophète Martial Séné, il y avait l'apôtre Pierre Chaubeur, il y avait l'apôtre Guy Flavien et moi-même. Il y avait, chacun de nous était avec sa fiancée. Et puis nous nous sommes retrouvés sur la montagne. Quand nous sommes allés sur la montagne, c'était pour chercher Dieu pour nos ministères. Nous devions faire, je pense, 7 jours. Le 3e jour, les anges du Seigneur me sont apparus. Quand ils me sont apparus, 7 anges me sont apparus, ils m'ont entouré. Et l'un m'a dit, voici, je te donne le bâton de Moïse. L'autre m'a dit, je te donne le manteau d'Élie. Va. Et ils m'ont parlé des choses personnelles en ce qui concernait le ministère. Dans le 3e jour, mes bien-aimés m'ont vu descendre la montagne avec mon sac. Ils m'ont demandé, mais tu vas, j'ai dit, je rentre. Ils m'ont demandé pourquoi, j'ai dit, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher sur cette montagne. Voilà comment je descends et j'organise ma première nuit de prière. C'était en Gousseau, à Fabrique, pour ceux qui se souviennent. Et donc là, lorsque l'heure de sortie pour moi était arrivée, les gens sont venus, mes collaborateurs sont venus me dire que vraiment, c'est fort. J'ai dit, comment? On me dit, il y a une grande foule dehors. Quand je suis sorti, bien aimé, j'étais émerveillé. La foule était pleine. Oh, nous faisions les cultes à 25, lorsque nous étions nombreux. Dieu m'avait exaucé au sommet de cette montagne. Après cette année, j'ai pris l'habitude chaque année, avant d'entrer dans une nouvelle année en décembre, de monter sur cette montagne pour faire le bilan de mon année. Voir où j'ai réussi, où j'ai échoué, ce qu'il faut refaire, ou ce qu'il y a à redire dans ma vie, dans ma relation avec Dieu et dans la manière dont j'ai dirigé le ministère. Ça a toujours été un moment pour moi de prise de conscience, un moment d'intimité avec le Seigneur, un moment où je vais faire le bilan de mon année devant mon Créateur, devant celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé. Et donc j'ai fait cela pendant plusieurs années. Quelques années après, une année, le Seigneur m'a dit, écoute, il y a plusieurs de brebis. Il faut dire que quand je suis allé sur cette montagne, je n'avais pas de brebis. Alors Dieu m'a dit, maintenant, il y a des brebis parmi le peuple que j'étais confié, qui aimerait aussi venir dans ma présence préparer leur année. Alors, ne leur empêche pas cela. Rends cela public. Voilà comment, la première fois, j'ai demandé que tous ceux qui voudraient aller au pèlerinage annuel avec moi me suivre sur la montagne, et de centaines de personnes se sont mobilisées et les gens ont pris ces choses à cœur. En sorte que, quelques années après, les gens quittaient de l'Europe, de partout dans le monde entier, d'autres pays africains pour venir sur cette montagne. Et je bénis le Seigneur. Cette année ne fait pas l'exception. Nous avons beaucoup de délégations qui viennent de l'étranger, des pays africains, des pays européens qui se sont déjà inscrits. Il y en a même qui sont déjà au Cameroun. Ils sont nombreux qui sont déjà au Cameroun pour la grande retraite, le grand pèlerinage sur le mont Kol Afamba. Je prie pour tous ceux qui seront sur cette montagne, que Dieu qui m'a fait grâce là-bas te fasse aussi grâce. Qu'à partir du sommet de cette montagne, Dieu nous donne de posséder les 12 portes
des 12 mois de 2022. Que Dieu bénisse ton année 2022. C'est un thème qui parle par lui-même, qui n'a même pas besoin d'explication. Dieu rectifiera les erreurs de 2021 en 2022. Dieu nous permettra de réussir où nous avons échoué en cette année. Dieu nous consolera où nous avons pleuré en cette année. Dieu en 2022 remplacera dans nos vies ce que 2021 nous a arraché. Que 2022 soit une année de grâce pour vous et pour moi. Une année de consolation. Une année où l'espoir va renaître. Une année où Dieu vous amènera loin. Une année où la vision sera clairvoyante. Une année où le Seigneur redonnera la joie à votre cœur. Une année où Dieu vous fera voir ce que vos yeux ont toujours rêvé, voir ce après quoi votre âme a toujours langui. Je sais que 2022 sera une année de bénédiction, une année de grâce, une année de restauration, une année de relèvement pour plusieurs d'entre nous. Moi aussi, j'attends 2022 et les promesses de Dieu pour cette année. Je voudrais dire à tous ceux qui me regardent, vous savez, les années précédentes, je vous ai annoncé les difficultés qui viendraient. Mais pour l'Église de Dieu au Cameroun, voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Voici la vision que Dieu m'a montrée. 2022 sera une année de grâce. Ça sera une année de restauration, de consolation. L'Éternel a frappé, l'Éternel consolera. L'Éternel a blessé, l'Éternel pansera. L'Éternel a renversé, l'Éternel relèvera. L'Éternel a cassé, l'Éternel a brisé, l'Éternel rebâtira. 2022 sera une année de grâce pour l'Église de Dieu au Cameroun. Une année d'ouverture de nouvelles portes. Des portes qui pendant longtemps sont restées fermées. Des portes antiques, des portes centenaires, des portes millénaires. Mais le Seigneur les ouvrira pour son Église parce que l'Éternel se souviendra de sa maison au Cameroun. Dieu verra la douleur qui nous a fait endurer. Dieu verra toute la souffrance que nous avons connue. L'Éternel pardonnera. L'Éternel expiera. L'Éternel, par son sang, apportera la restauration, la guérison à nos cœurs, la guérison à nos familles. Que Dieu te console en 2022. Que Dieu bénisse ton année 2022. Nous aurons de grands programmes pendant ce mois de décembre 2021. Premièrement, mon souhait pour vous, c'est que vous acheviez cette année dans la joie, dans la consolation. Que cette année soit différente au nom souverain de Jésus. Que cette fin d'année soit différente. Que vous apporte déjà le bonheur que le Seigneur a réservé pour vous pour l'année 2022. Alors, je vous exhorte à prendre très au sérieux. Je dis alors très au sérieux. Tous les programmes de ce mois de décembre, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ces programmes. Vous qui avez lambiné, vous qui avez lésiné, vous qui avez claudiqué, vous qui avez virevolté ça et là, et qui avez hésité, s'il vous plaît, ce n'est plus le moment de tergiversation. Ce n'est plus le moment d'acatalepsie. Non, le Seigneur t'invite à assister à nos grands cultes. Le Seigneur te bénira. Dieu te bénira. C'est toi qui viendras chercher ta bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un que tu enverras. Déplace-toi toi-même. Ce premier dimanche, 5 décembre, je t'en supplie, pardon, par les compassions de Christ Jésus, ne manque pas à la Bible à 7h30 et à Douala à partir de 16h. Vous savez, la manière dont vous achevez une année définie, de manière sûre, comment vous vivrez dans l'année suivante. Peut-être dans les années précédentes, vous avez fini votre année dans les boîtes de nuit, vous avez été dans les bistrots, je ne sais pas, dans des coins et des recoins où le nom de Dieu n'est pas glorifié. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer de cap. Vous pouvez décider, prendre la bonne décision aujourd'hui. Vous pouvez tourner vos cœurs vers Dieu pour faire ce qui doit être fait. Venez finir votre année avec Jésus-Christ. Le dimanche, le 5, 7h30 à la Bire et 16h à Douala. Nous aurons un culte extraordinaire. C'est le premier culte du mois de décembre. S'il te plaît, ne reste pas à la maison. La main de Dieu te touchera. Ça sera des moments extraordinaires. Je ne veux même pas faire de commentaires là-dessus. Dieu me prépare pour cela. Dimanche le 12 décembre, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça sera 7h30 à Yaoundé, à la Bire, en Kouaban, et puis 16h du côté de Douala. Et dimanche le 19, les habitants de Bertoua, nous avons notre dernier culte des plaintes à l'Éternel à partir de 16h à Bomo. Donc, le matin à 7h30 à la Bire et le soir, ce sera à 16h, le dernier culte des plaintes
s'il te plaît, viens porter plainte contre cette année. Nous allons prier pendant ce culte, en sorte que tout ce que cette année t'a volé, tout ce que cette année t'a retenu, te sera rétrocédé. Si tu crois en cela, tu dis Amen. Et il en sera ainsi au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. 2021 ne va pas mourir avec une seule de nos bénédictions, avec une seule de nos grâces. 2021 ne phagocytera pas mon héritage. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas pensable. Dans tous les cas, je n'ai même pas l'intention de laisser partir 2021 avec une seule prophétie qui m'appartienne, avec une seule richesse qui m'appartienne. Mes amis, la Bible dit « Terre, écoute l'Éternel. Cieux, écoutez. » Ça veut dire que la terre entend, le ciel entend et les années entendent. Et je parle à 2021. 2021, mon ami, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas finir sans avoir rétrocédé à ma vie tout ce que tu m'as volé. Tout ce dont tu m'as privé. Ça dit que si 2021 ne nous rembourse pas tout ce qu'il nous doit, on va voir pour la première fois de l'histoire le 32 décembre ou le 33 décembre. Je vous dis la vérité, c'est que le mois de décembre, ça ne va pas finir. Dans tous les cas, c'est que 2022 n'arrivera pas. Donc, les habitants de Berthois sont bénis. Ce dimanche 19, note ça dans ton agenda. 16h Beaumont, c'est le dernier culte que je fais avec vous. C'est aussi le culte de bonne année, le culte d'adieu à 2021. Donc, si tu rates ce culte-là vraiment, c'est que je ne sais pas quoi te dire. Et dimanche, le 26 décembre, c'est le dernier dimanche de l'année 2021 pour les habitants de Douala, les habitants de Yaoundé. Donc, ce sera le dernier culte de plainte à Yaoundé. Viens et écris à 2022. Dis à Dieu ce que tu veux pour 2022 et Dieu le fera. Viens porter plainte contre cette année pour toutes les douleurs et les misères que tu as connues et Dieu te restaurera. Lui seul peut nous rétrocéder tout ce qui nous a été volé. Lui seul peut nous faire rattraper le temps volé. La Bible dit dans Joël 2, verset 25, « Je restituerai les années qu'ont dévoré le Gazam, l'Asie de Djelé et la souterraine. » Donc notre Dieu a la capacité de rétrocéder, de restituer les années perdues ou bien le temps perdu. Il le fera pour nous. Je prie que Dieu le fasse pour toi. Je sais que tu as de grandes attentes. S'il te plaît, ne manque pas ce culte. Des anges puissants seront libérés pour nous assister pendant tous ces quatre dimanches de ce mois de décembre. Donc à Douala, le dernier culte de plainte, ce sera toujours ce dimanche 26 à partir de 16h à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé. Dieu nous bénira. Par sa grâce, nous serons différents en 2022. Donc, il y aura des formats où chacun avait sa bouteille d'huile de faveur neuve. Chacun avait sa bouteille d'huile de faveur neuve, que ce soit à Berthois, à Yaoundé, à Douala. Chacun, ce dimanche, doit venir avec sa bouteille d'huile de faveur neuve. Et le 31 décembre, par la grâce de Dieu, j'ai promis soutenir, parrainer, pour ceux qui n'ont pas les moyens de quitter Douala pour le 31 décembre, on va payer moitié tarif pour leur permettre de venir. Donc, inscrivez-vous. Les listes sont ouvertes. La même chose à Berthois. Je vous exhorte. Tant que c'est possible, venez passer le 31 décembre ici, à Yaoundé, avec nous, à l'église mère. Et Dieu se manifestera. Tous les habitants de Kribi, j'étais là dernièrement, j'étais bien reçu par vous. J'étais marqué par votre hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse. Déplacez-vous. J'invite toute la ville de Kribi d'être ici le 31 décembre. De la même chose à Berthois, pour ceux qui n'ont pas les moyens, on va parrainer demi-tarif, tu payes la moitié et puis je vais payer la moitié pour te permettre de venir. Et je parraine 100 personnes par assemblée. Les habitants de Kribi, je vous attends très nombreux. Dans tous les cas, autant que cela dépend de vous, venez à Yaoundé le 31 décembre. Voyagez, déplacez-vous. S'il vous plaît, faites-le parce que je sais les grâces qui seront réservées, déversées sur ceux qui seront présents. C'est une fin d'année extraordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, à Douala, il y aura l'Exodus Night. Dans toutes nos assemblées, dans tous les cas, il y aura Exodus Night, sauf les assemblées en périphérie de Yaoundé. Et vous aurez à Sagbato, Logoté, au Togo, il y aura aussi Exodus Night. Et que Dieu vous bénisse. Pour le reste, le Seigneur veillera sur vous. Il veillera sur nous. Il veillera sur notre présent. Il veillera sur notre futur. Nous aurons la conférence de Joseph d'Arimathée. Pour ceux qui ont fait partie de Joseph d'Arimathée. Depuis, nous n'avons plus eu de conférence de Joseph d'Arimathée. Je vous invite à cela. Donc, je vous donnerai la date dans une autre annonce et en même temps, les bienfaiteurs aussi vous seront donnés. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le reste, soyons fidèles au Seigneur. Faisons-lui confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis arrivera. Ça arrivera certainement. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ.
Thank you.